Les voyageurs, ayant retenu leur place pour le déjeuner, sont invités à se rendre dans la salle à manger située au milieu du train. Merci. Mesdames, Messieurs, dès maintenant, la vitesse du train peut atteindre 200 km à l'heure pendant une demi-heure environ. Nous vous prions de bien vouloir maintenir fermées les fenêtres des voitures pour éviter le bruit et les courants d'air. Merci. Entre Orléans et Vierzon, le Capitole circule à 200 km à l'heure. Ces résultats spectaculaires ne doivent cependant pas masquer les efforts entrepris sur l'ensemble de la ligne. Les 400 km du parcours Paris-Limoges sont couverts à une moyenne de 140 km à l'heure. Et malgré la traversée du Massif Central, Toulouse n'est plus qu'à 6 heures de Paris. Ces horaires remarquables sont réalisés sur une ligne centenaire sans que des investissements considérables aient été engagés. Le train arrive à Toulouse-Matabiau dans quelques minutes. Nous espérons vous revoir prochainement. Merci. Alors qu'actuellement, les trains français parcourent journellement 140 000 km à plus de 100 km à l'heure de moyenne, le Capitole marque un nouveau départ vers la réalisation de vitesses élevées qui, plus que jamais, répondent à un impératif économique et à une nécessité commerciale.